À ce qu'il est à vivre. Football, il pratique depuis l'enfance pour meubler ses longs moments d'oisiveté sans école. Repéré par quelques professionnels, aguerri par quelques matchs victorieux, il se fixe pour seul objectif de devenir joueur professionnel. Et pour cela, de rejoindre l'Europe par tous les moyens. Pour lui, ce sera la Libye. À le désert afin de s'embarquer pour l'Italie. Longue épopée de 2 années risquée et dangereuse, mortelle pour beaucoup. Ce rêve sombre à quelques encablures de Tripoli, lorsque le bateau sur lequel s'étaient entassés des centaines de malheureux coule et Kamalou est repêché extrémis par des gardes-côtes libyens. Une autre aventure alors commence pour lui, celle d'une renaissance, celle du retour au pays avec un combat acharné pour la reconnaissance de ses droits et de sa dignité d'homme. Présent me donne la parole. Je la prends. Monsieur le ministre, ce que tu vas recevoir dans tes oreilles est sacré. Ce sont les mots que nous avons rapportés de notre dangereux péril. Chacun ici pourra témoigner de leur véracité. Tu nous as fait venir. Manu Militari. Pardon. Je m'aperçois que je te tutoie. Je devrais être vous, monsieur le ministre. Mais tu vois, vous voyez, tu vois, ici chacun de nous est un minuscule grain dans l'humanité. Mais un grain qui s'élève, poussé par la colère, plus un autre grain, et encore un autre. Ça fait une tempête, monsieur le ministre. Une tempête qui pourrait grésiller à tes oreilles. Alors, écoute-la. Monsieur le ministre, écoute tout ça. C'est le silence tout autour. Et la nuit, je reste sans bouger avec ces sabres glacés dans ma main. Je suis à genoux. J'attends. Les autres sont à genoux aussi, autour de moi. Il y en a qui restent debout, juste derrière. Nous sommes une douzaine, je crois. Dans ma main, j'ai cette poignée qui brille avec les premiers rayons du soleil.
nous ne pouvions pas attendre plus. Nous nous sommes dépêchés de creuser un trou suffisant. Personne ne parle. Personne ne dit une prière. Je crois que chacun l'a remis dans l'intérieur. De toute façon, presque chacun parle une langue différente. J'essaie de ne pas trembler sous mon sujet. Nous n'avons pas de couverture. On dort à même le sol. Parfois, on arrive à faire un feu. Le désert ne donne rien. Pas d'eau, pas de nourriture, pas de bois. Que de la chaleur brûlante le jour et le froid glacial la nuit. C'est l'entraîneur du stade malien de Bamako qui me l'a donné mon sud. Il a plein de tout. Il pue. L'autre, on l'a entendu toute la nuit. Il a commencé par gerber longuement, puis il s'est mis à crier. Il s'est tordu de douleur. Il a commencé à vomir. Et je crois qu'il a fait sur lui. Il s'est éloigné de nous en rampant. Mais on l'attendait quand même. On ne pouvait rien faire. Il s'est mis à pleurer et à crier dans sa langue des mots de terreur. Je tremblais. Et nous tremblions tous. Il savait. Il savait. Et nous savions. Au matin, il s'est tué. Enfin. Je jette la pointe du sable glacé sur le corps. Les autres en font autant. Puis nous nous dépêchons de le recouvrir totalement. Un petit tas de cailloux pour signaler sa tombe. Je reste seul et je m'y ici, je n'en vois rien nulle part. Depuis l'étape du lac a séché, on marchait depuis des jours. On est arrivé ici au village de Khalil hier vers 23h. Quelques maisons de terre et de tôle. Et ça faisait plusieurs jours qu'on n'avait presque rien dans le ventre. J'avais mangé mon dernier biscuit hier matin. Il y avait du riz dans une échoppe. Le plat coûtait 400 francs CFA. Chacun en a commandé. Moi, j'ai eu du mal à manger mon plat. Et je suis allé acheter un coca. J'ai été m'asseoir à l'écart avec les autres. Je me suis endormi au bout de quelques minutes. Les premiers cris de l'autre, ils m'ont réveillé. Je crois qu'il avait très mal mangé. Notre guide nous abandonne dans ce village. À partir d'ici, on doit se débrouiller par nous-mêmes. On s'aperçoit qu'il y a d'autres groupes, des silhouettes maigres à rayons qui se font discrètes et se fondent avec le mur ou le sable gris. Depuis combien de jours sont-ils ici? La terre était chaude et rouge. Si on y mettait un peu d'eau, ou même du crachat, on faisait ce qu'on voulait avec. Même qu'un jour, mon grand frère Ousmane a pissé pour la mouiller. Après, on faisait des bons hommes. Des animaux. Ça, c'était pour les filles. Elles étaient contentes. Nous, ce qui nous plaisait, c'était de faire des billes. On jouait avec. Nous étions en brousse à garder le troupeau. Personne ne pouvait nous voir. Mais il fallait surveiller les bêtes et faire attention à ce qu'ils ne s'échappent pas. Ou qu'il n'y en a pas une qui soit malade. Car c'était la punition assurée. La chicotte. 10 coups.
On restait toute la journée en brousse et parfois même la nuit. Mais comme nous l'avons fait, nous devons rentrer quand même au village. Et là, nos oncles nous disputaient toujours de laisser les ressources. Ils sortaient les ceinturons et nous frappaient. Nous nous dépêchions d'avaler notre nourriture. Et nous nous sauvions en brousse. Aucun de nous n'allait à l'école. Ma mère qui était restée dans le village voisin, celui de son père, n'avait pas les moyens de payer. Alors, il préférait nous voir garder les moutons et les chèvres. On avait des plaies aux pieds et aux jambes. On ne se lavait pas. Au bout d'un temps, je suis tombé malade et je ne pouvais pas bien marcher. Un oncle plus gentil m'a amené à l'hôpital de Sikasso. Et sa femme était jalouse et méchante, car elle disait que même ses propres enfants n'avaient pas autant d'attention. Mais mon oncle s'est défendu que j'étais le fils de son frère mort à chaque fois à cause de la fièvre jaune. Ma mère a continué à avoir des ennuis avec mes oncles, qui exigeaient qu'elle se remarie. Alors, quand le nouveau bébé est né, elle a décidé de nous amener avec elle en Côte d'Ivoire. Notre père était parti là-bas acheter une parcelle de terre, en espérant faire un jour une plantation de cacao. La débandade nous a pris, chacun prenant ses jambes à son cou, et d'autres tremblaient. Le guide s'est mis à nous engueuler. Et si vous ne prenez pas le courage de marcher vite, vous allez tous finir comme ça. Il a dit qu'il y avait quelque part, par ici, un lac. Ici, dans le désert, il faut croire au mirage. Nous nous sommes assis sous un petit arbre. Nous n'avons plus la force pour avancer. Quelques-uns salmodiaient dans leur langue des choses incompréhensibles. Enfin, on l'a entendu hurler. Il avait trouvé le lac, mais il n'y avait que de la boue. Nous avons creusé cette boue avec nos mains. On a utilisé nos t-shirts pour filtrer l'eau et boire. Ici, depuis Khalil, on doit trouver un moyen pour se rendre à Tamaracel. C'est notre destination, à moi et mon compagnon Salif. Tous les autres veulent partir vers le Maroc et ensuite en Espagne. Vers le soir, nous trouvons un passeur qui est décidé à nous transporter à raison de 10 000 francs CFA par personne, à condition que nous soyons plus nombreux. Finalement, nous trouvons 6 autres jeunes comme nous. Ça fait 8 candidats. Le Touareg vient nous chercher avec son véhicule vers 18h à la nuit tombante. Masi kungondande aendeme chila aendeme Masi kungondande aendeme desae duruye aendeme aendeme fantaye duruye aendeme.
Le ballon, juste le pied. 38, 39, 40. Les autres au début se taisaient, puis ils commencent à m'encourager, voyant que je tenais la route. 38, 39, 40, 41, 49, 50. À 50, j'ai choisi la tête. Il y a le rond sur la tête et c'était vraiment facile. Du coup, les autres applaudissaient. Ah, ma vie, ah, ma vie, ah, ma vie, ah, ma vie. Un petit m'avait prévenu le matin en courant. Amadou, Amadou, il va y avoir un concours de jonglage à l'école. À moi et à moi. Oui, c'est un concours Amadou. On peut gagner jusqu'à 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA?
Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois jongler jusqu'à 100. 70, 71, 72. Je leur en mettais plein la vue, moi, avant nous qu'ils n'allaient pas à l'école. 80. Le genou maintenant. Même d'un genou à l'autre, les autres étaient ébahis. Enfin, j'ai terminé en reprenant par le pied. Et les autres finissaient de compter avec moi. 98, 99, 100. Le groupe me portait en triomphe jusqu'à chez moi. J'étais le roi du village. Hé, Amadou. Oui. Hé, tu t'appelles Amadou? Oui, monsieur. Ah, Amadou. Mais tu te défends bien au football, là. Oui, monsieur. Est-ce que tu voudrais venir en ville avec moi? Où? Abidjan! Pour que je puisse t'inscrire dans un centre, tu vas devenir le grand joueur. Moi, monsieur? Ah, Amadou, comme qui tu voudrais? Comme Jean-Pierre Papin! Ou Pelé! Oui! Je veux venir avec toi! Le monsieur est un commerçant et venait régulièrement acheter des fruits dans le village. Il a décidé de voir ma mère. Hé! Où sont les là? Hé! J'ai vu votre fils Amadou jouer au football. Ah. Voilà, il m'a impressionné. Je voudrais l'emmener en ville pour l'inscrire dans un centre. Comment je peux te donner mon enfant alors que je ne sais pas qui vous êtes? Ça, voilà, madame. Une semaine plus tard, le monsieur est encore revenu pour parler à ma mère. Il a dit qu'il ne partirait pas sans moi. Ma mère a fait appel aux personnalités du village. Les gens ont dit, je n'ai pas à l'école, je veux une rue, il n'y a pas de problème. On connaît cet homme de l'école. Ma mère a enfin accepté. Moi, j'étais content. Les rumeurs ont plu tout le village. Le jour de mon départ pour Abidjan, presque tous les enfants sont sortis pour me regarder mon année. J'avais 10 ans et ma mère pleurait. Mais les autres croient que j'ai l'air compris de la situation. Le chef finit par nous engueuler. Comme punition, il m'ordonne de laver son véhicule. Je lave vite et bien, et quand j'ai fini, je lui propose même d'amener le deuxième. Au bout du travail, le chef me demande où est-ce qu'on veut y aller. Je lui dis que moi, je suis un footballeur. Mon objectif est l'Italie. Mais que pour les autres, je n'en sais rien. Vers la fin du matinée, il exige que chacun lui donne 10 000 francs CFA pour notre libération. Puis il nous embarque dans un 4x4 pour nous laisser à quelques kilomètres de Tamaracen. Nous terminons la marche pendant la nuit et nous entrons dans la ville au petit matin, en nous séparant deux par deux. Pour ne pas être repéré, un petit foyer accueille de Mali. Pour rentrer, le propriétaire demande 2000 francs CFA. Nous restons 4 jours discrètement, nous nous reposons et mangeons un peu. Enfin, un passeur nous propose 30 000 francs CFA pour nous rendre en Libye. Nous partons la nuit. Au bout des 3 jours de route chaotique et dangereuse, il nous dépose le soir même à proximité de la dernière ville de l'Algérie, Bebdeb. Nous nous apercevons plusieurs lignes de lumière à l'horizon. La première est celle du barrage avant d'entrer dans Bebdeb. La seconde est la ville de Bebdeb. La troisième est le dernier barrage de frontière. Et la quatrième est le dernier barrage de frontière libyen. Et la cinquième est la ville de Gadames. Nous marchons jusqu'au matin, en évitant largement les 3 premières lignes de lumière. Mais au petit jour, nous n'apercevons plus la quatrième. Il faut attendre la nuit.
Alors, nous nous cachons dans des trous. Sur le stade empli à craquer, je joue avant-centre et je marque le but décisif sous les hurrahs de la foule. Et je donne à mon équipe la victoire à la CAN. L'hymne du pays célèbre. Je me tiens droit le ballon sur le bras. Et je suis le meilleur. Le ballon se met à gonfler doucement sur mon bras. Je suis obligé de le tenir à des mains. Il grossit. Je m'accroche de tout mon corps. Il décolle du sol. Il s'envole. Je me colle à lui par tous mes membres. Il monte au départ le stade. Les spectateurs deviennent minuscules. Et j'atteins les nuages. Et j'aperçois souvent le fleuve. Et bientôt tout le pays m'apparaît. Je survole l'Afrique. Puis la mer est là, immense bleue. Mais il se passe quelque chose. La tempête s'élève. Le ballon perd de l'altitude. D'un coup, il se dégonfle, part et siffle comme une fusée. Et je tombe dans le vide vers la mer immense. Une chute sans fin qui ne s'arrête que quand je me réveille en sourd. Amadou! Amadou! Dis-toi, la nuit est là, il faut y aller. Ça, je me regarde étonné. Et je dois avoir l'air effrayé. Viens, mon ami, allons-y! En quelques heures de marche silencieuse, nous tentons de nous diriger vers la quatrième ligne de lumière. Mais nous arrivons trop près du poste de contrôle ligne. Les chiens se mettent à aboyer. Des véhicules se rapprochent. Les projecteurs balayent la zone. Et des voix gueules en arabe. Et nous prenons la fuite dans le noir. Les militaires lumières ouvrent le feu. J'entends les balles siffler dans la nuit. Nous ne sommes pas au courir pour sauver notre peau. Et du parcours, j'entends les cris en marrant. On m'a tué. On le fera. C'est ça l'effort. Je ne peux pas savoir. Je ne peux pas m'arrêter. Je cours droit devant moi. Et j'ai éclaté mes fourrures. Je cours. Je cours jusqu'à mes fourrures. Salif, tu attends depuis combien de temps? Ça fait bien 2 heures. Je suis arrivé le premier. Cet autocar il va à Gao? Ils ont dit oui. Mais il faut attendre qu'il soit rempli. Assieds-toi, on est à Londres ici. Je m'appelle Salif. Moi, Amadou. Je te demande. Ici, à la gare routière de Bamako, ça fumait déjà du monde tôt le matin. Il fallait repérer le bon bus. Je regardais les pneus et je jetais un coup d'œil à l'intérieur, sur le buteur ou pas dans le côté. Et j'achetais une petite poche d'eau et des beignets à l'hiver, mais partagée avec Salif. Tu t'arrêtes à Gao? Non, je vais continuer à aller plus loin. Il y a quoi dedans? Mes bagages. Et je vois bien, c'est trop encombrant, c'est quoi? C'est un ballon. Un ballon en plastique. Un ballon? Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, je l'ai depuis la CAN 88 et je ne m'en sépare jamais. Il faut t'apporter le moins de choses possible. Pour marcher et courir vite, ça risque de te gêner. Je sortais le ballon en plastique et le roulais entre mes doigts en toute vitesse. Ce matin, je m'étais réveillé très tôt pour venir là sans rien dire à personne. Parce que ma décision était prise. Un groupe d'enfants jouait dans la poussière, non loin de nous. Ils chutaient en criant dans une balle faite au bout de chiffon. Lentement, mais décidé, je me suis levé et j'ai marché vers lui. Et il me dit, ça ira mieux avec ça. Je leur lancé mon ballon en plastique. Ils l'ont accueilli avec des hurrahs et des remerciements. Puis nous n'avons plus rien dit jusqu'au départ de l'autocar. 3 heures plus tard, là, j'ai compris que j'étais vraiment parti. Tu veux devenir footballeur? Oui. J'ai un cousin qui est parti et qui n'est pas revenu. On n'a jamais eu de nouvelles. Plus jamais. Ah non? Peut-être qu'il a réussi. Thank you.
vers 5h du matin dans la ville libyenne de Cannabis. Je me fais petit petit et rase la mur. Un vieux qui revient de la mosquée me parle en français et m'indique la direction d'un foyer qui accueille les malades. En échange de mes 5000 francs qui me restent, je me repose, je mange, mais je n'ai plus d'économie à présent. Je dois rester dans cette ville pour gagner de l'argent afin de pouvoir continuer ma route. Deux jours plus tard, je vais sur la grande place où tous les Africains se regroupent chaque matin. C'est là que les Libyens viennent recruter des malades. Un Marocain m'approche. Un maçon qui construit les toilettes dans un camp de touristes. Il me trouve courageux et me propose de rester ici. Il a ajouté que dans ses centres de vacances, il y a une équipe de foot qui joue en deuxième division. Au début, dans nos camps, à chaque repas, je mangeais seul dans mon coin. Mais maintenant, je suis avec les autres employés. Et pour dormir, je partage une pièce avec des ouvriers. Le soir, je m'entraîne avec l'équipe de foot. Et le vendredi, je vais visiter mes amis au foyer. Cannabis est une ville que les touristes aiment bien. Ils l'appellent la perle du désert. Des Français, des Allemands, des Italiens passent leur temps à se reposer, à manger et vont faire des excursions. Moi, je travaille toute la journée. De la maçonnerie, du balayage, de la manipulation, de l'arrosage sur les massifs de fleurs près de la piscine. Parfois, quand les chefs ne sont pas là, moi, on m'appelle à l'accueil pour que je parle français avec les clients. Depuis un moment, le gros italien assis à l'ombre me regarde en fumant son cigare. Je m'assois un peu mieux, en plein soleil. Vous travaillez bien, quoi. Oui, monsieur. Venez ici, non? Oui, monsieur. Pouvoir rester ici? Non, monsieur. Je voudrais aller en Italie. Italie? Italie! Le plus beau pays du monde. Oh, oh. Venezia, la Corte de Pisa. Tu as raison. Et pour faire quoi? Monsieur, je suis un footballeur. Footballeur professionnel. Football! Football! Magnifico! Hey. Nous avons une belle équipe d'or. La nouvelle tous. La Fiorentina. À Séville. C'est Ronaldo. C'est Maradona. Après le départ de Gao, au bout du désert de route, ils nous ont dit de descendre, car il y avait trop de sable et qu'on allait passer la nuit ici pour repartir le matin. Vers 4h, nous avons entendu le bruit du moteur. Ils ont prétexté qu'ils avaient oublié quelque chose, que l'un allait le chercher et que l'autre restait avec nous. À 6h, le guide a commencé à crier. Il nous a dit que le véhicule ne viendra pas, car il ne pourrait pas rouler avec tout ce monde-là. Puis il exige que chacun paye 5000 francs. Et puis il s'étrange. Ou bien vous me tuez. Mais si vous me tuez, vous aussi, vous allez tous mourir. Car vous ne pourrez pas vous en sortir. Nous avons eu peur. Nous avons donné la somme sans discuter. Car ils sont très agressifs. Ils sont capables d'égorger comme une personne, comme une vieille. Nous avons commencé à marcher à pied. Moi, j'avais un bidon de 4 litres avec quelques paquets de biscuits. On a marché toute une journée.
Et le soir, on s'est arrêté pour dormir quelque part dans le grand salon. Akashine de Imana fae kashila fatigi unevega kumatia mafo Akashine de Imana fae kashila fatigi unevega kumatia mafo Furuma sa furu kata ni be kajila. Wala boso wolo kata ni be kajila. Wolo kolo pata ke ni be woyola. Fenti gi ule me la kumasi amapo. Akashile ne. Imana fae kajila. Fatigi unevega kocha manke Jigitigi unevega kumacha mpore Fatigi unevega doni Amadou Amadou Tu viens me quitter Amadou? Cela fait 2 ans que je t'avais pas revenu depuis ton départ pour maman. Je dois faire ce voyage, mon ange. Tu viens parcourir tous les pays. Tu as 15 ans, Amadou. Moi, je n'ai plus peur maintenant. Je peux partir partout dans ce monde. Qui donc t'a mis ça en tête, Amadou? Tu es très jeune. Tu n'as pas été à l'école. Tu ignores tout du monde, mon fils. Comment il faut que tu comprennes. Tu vois, je partirai en Algérie et ensuite en Europe. Là-bas, ils ne sont pas égoïstes. Si tu dis bien, on te fait jouer et on te paye avec beaucoup d'argent. Je restais un mois avec elle. Finalement, elle trouvait que je me comportais en adulte. Elle allait rentrer elle aussi au Mali pour toujours. Car son père qu'elle avait fait venir près d'elle, ici en Côte d'Ivoire, était à présent décédé. Le matin, beaucoup parmi nous ont décidé de jeter leurs affaires. Je me suis débarrassé de tout, sauf ma tenue de sport, mon bidon et mes biscuits. Le troisième jour, le passage s'est arrêté pour demander à chacun de payer 2500 francs. Après une semaine de marche, on n'avait plus de quoi manger ni boire. On est arrivé dans un village de Touareg. Nous avons vu que les affaires qu'on avait jetées, ils les avaient récupérées pour les vendre. Il y avait un puits tenu par un Touareg. Il les réclamait 30 000 francs CFA. Nous avons remis cette somme. Il a été chercher un chameau. Et c'est là qu'on a vu qu'il suffisait d'attacher la corde à la bête pour tirer l'eau. Mais avec cette eau, nous avons bien bu et rempli nos bidons. On s'est bien mouillé et reposé. C'est après, au bout de quelques 6 jours de marche, qu'on est arrivé au lac asséché. Ma mère attissait le petit brasero pour le thé avec des gestes à la fois rapides et doux. Elle a toujours été comme cela avec nous, impétueuse et silencieuse. Les braises rougeoyaient dans la nuit, éclairaient son visage de vieille femme, iridée comme ses mains, comme ses pieds. Yende kanata, tungala kanata, tungala la usenitora tungala. Yende kanata, tungala kanata, tungala la usenitora tungala. Nde kanata, tungala kanata, tungala sayajugu be tungala. Yende kanata, tungala kanata, tungala chechendugu be sirala. Yende kanata, tungala kanata, tungala batonjugu be sirala. Nde kanata.
Canada, Tungala, Canada, Tungala, la Ousenitora, Tungala.